Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris de ce mois de février. Préparez-vous, il y a pas mal de choses que j'ai adorées là pour ce mois-ci. Donc, ça va être une vidéo qui risque d'être un peu longue. Désolée, mais vous me connaissez. J'arrive pas à me limiter à un ou deux produits. C'est pas possible, les filles. Je teste tellement de choses. Donc là, on va découvrir ensemble tous les petits produits que j'ai bien aimés, que ce soit pour tout ce qui est hygiène corporelle, soins du visage. Il y a même des produits ménagers, même de l'assouplissant. Donc là, je vais vous faire découvrir toutes ces pépites-là qui ne coûtent pas très cher. Enfin, il y a quelques produits catégorie luxe, mais il n'y a pas grand-chose, les filles. Mais sinon, le reste, ça coûte pas cher. Mais avant toute chose, les filles, je commence avant tout par ce que je porte. Là, je pense que ça y est, vous le voyez, j'ai réussi enfin à m'acheter cette fameuse blouse là dont je vous avais parlé, que j'ai achetée chez H&M. Voilà, elle est neuve. Et bien évidemment, je l'inclus parmi mon coup de cœur là, de ce mois-ci. Je l'ai payé à 19,99 euros, les filles. Voilà. Je trouve que pour ce prix-là, ça vaut le coup. C'est une blouse, vous voyez, d'une matière un peu mousseline. Enfin, c'est du polyester, hein, vu ce qui est indiqué sur l'étiquette, hein. Polyester, vous voyez, H&M, hein. Donc là, c'est le coup de cœur du mois, hein, en termes de vêtements, hein, chez H&M. Donc voilà. Voilà le coup de cœur là que j'ai eu, hein. Et il me la fallait. Donc là, j'étais là la chercher. Et voilà, je la porte aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais ça, c'est mon style. J'adore ce style de blouse. Très fluide. Un tissu hyper léger qu'on ne sent même pas sur la peau, les filles. Indétectable sur la peau. C'est frais. C'est d'une douceur et d'une qualité. Sincèrement, pour le prix que c'est une pépite, les filles. Donc voilà pour ce très beau chemisier que je voulais vous partager, qui bien évidemment fait partie de mon coup de cœur, on va dire favori de ce mois de février chez H&M, les filles. Peut-être qu'il y a encore. Donc là, je vous montre ma tenue vite fait. Ensuite, là, je l'ai stylée avec ce style de jean. Bon, là, je vérifie si. Ah, si tout est sécurisé! Donc là, je porte ce style de jean, un jean blanc comme ça, qui est de la marque EDC, les filles, que j'avais acheté à Dingfrang, celui-là, 4,50 €. Un jean de bonne qualité, hein. Vous voyez comment il est. Un jean coupe droite, hein. Et là, concernant les chaussures, ben voilà. Ben, il fallait bien que je les porte un petit peu, hein. Ces chaussures-là, ces fameuses Walk and Dior, là, voilà, je vous les montre, hein, dans quel état elles sont. Voilà. Pour ces chaussures hein, que j'ai décidé de remettre aujourd'hui, parce que je savais pas trop quelles chaussures mettre là avec cette tenue. Allez, on remet la caméra. J'espère que vous allez bien me voir. Je poste cette vidéo un peu tôt parce que j'aurai pas le temps après, vu que j'ai prévu une autre vidéo concernant des dupes hein, de produits pas chers. Donc là, c'est parti les filles. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Je ne pourrais pas attraper le bac là parce qu'il est juste à mes pieds. Il y a trop de choses. Alors, pour commencer là, les filles, je voulais vous parler de ce thé là que j'ai acheté chez Action. Là, j'ai un gros, gros coup de cœur hein, pour cette boîte là de thé. Celle-là, le thé Amarty hein, qui est au curcuma, gingembre et réglisse, les filles. Alors, c'est un sachet de 16, de 16 sachets, hein, voilà. C'est une boîte plutôt de 16 sachets, ça commence là, bégayer. Donc voilà, je voulais vous recommander cette boîte d'infusion chez Action, c'est pas très cher. C'est un thé qui est vraiment très, 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 très agréable à déguster. Très, très agréable hein, en bouche et sincèrement, il est très, très efficace, hein.
et qui fait partie bien évidemment de mon quotidien, hein, afin de, vous voyez, s'immuniser un maximum. Voilà les filles, si vous tombez sur cette échaction, je vous le recommande sincèrement à Marty, hein, cette boîte, le Fresh Start. Voilà comment il s'appelle, hein, c'est la boîte jaune. Hein. Pépite, hein, chez Action. Ensuite, ah oui, j'ai oublié le parfum. Voilà, concernant le parfum, j'ai ressorti La vie est belle, hein, cette eau de toilette florale, hein, que je reporte là. Ah là, j'ai envie d'être en été, d'être au printemps, là. Voilà, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça, les filles. Hein, on a envie de soleil, hein, de beau temps, de journée ensoleillée. Allez, c'est parti. Alors là, pour commencer, les filles, je sais pas si vous connaissez ce spray. Je l'avais acheté sur recommandation, hein, d'une amie à l'école, là où je travaille. Elle m'avait parlé de ce désodorisant, hein, qui sent la fleur blanche, apparemment. Voilà. Alors, il s'appelle le Home Dry Hair Freshener. Voilà. C'est un spray désodorisant que j'ai pris chez Action. Pas très cher, hein. Mais là, les filles, on est sur un spray qui sent la lessive. Si vous aimez les odeurs de propre, les odeurs de frais, d'assouplissant, ça sent l'assouplissant. C'est une dinguerie. Je vous recommande ce spray. À mon avis, là, une fois que j'en parle, bah, tout le monde va aller l'acheter, bien évidemment. Ah, les coquines! Donc voilà, je recommande, hein, ce désodorisant. Ils sont super bons. Je le vaporise même sur mon linge, les filles. Et oui, et ça tient. Ça tient super bien. Ça se diffuse bien. Ça parfume super bien les chambres, hein. Enfin, moi, j'en mets dans la chambre de Tom et également dans la mienne. Ça, c'est une tuerie. Donc voilà, je vous recommande là. Ah oui, ouais. Là, c'est canon, hein, les filles. Franchement, je suis bluffée par ce produit. Voilà, je vous le recommande. Pépite absolue. Je vais le laisser ici. Il est toujours dans ma chambre, hein. Ensuite, alors là, s'il y a un autre coup de cœur là chez Action, à petit prix, après on le trouve en grande surface, bien évidemment, je veux parler de cet assouplissant Lénore Vitality. Alors voilà comment il est, la bouteille, voilà, qu'on connaît toutes, hein, hein, que je présente tout le temps dans mes hauls Action. Je le reprends tout le temps, les filles, parce que ça, c'est un indispensable pour moi chez Action. Alors là, on est sur la senteur fleur de rosée, un format de 575 millilitres, 25 lavages environ. Avec ça, je fais tout le mois, les filles, largement. Puis je complète avec les petits granulés là, que je rachète également chez Action de la marque Endless Scent, hein, également, qui sont très très bons. Je mélange un peu les deux ensemble et mon linge sent super bon. Mais là, s'il y a un assouplissant qui tient super bien sur les vêtements, les filles, ça, c'est de la bombe. J'en ai testé, hein, du Lénore, hein. Même d'autres marques, Soupline, que sais-je. Après, les Cajoline et compagnie, c'est génial, hein. Ça reste des super marques. Hein. Après, si vous avez vos habitudes, hein, classiques en assouplissant, écoutez, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais sincèrement, s'il y a un bon assouplissant là, que je recommande, qui tient vraiment bien, qui sent vraiment super bon, c'est celui-là. Hein. Fleur de rosée, hein, je vous l'avais dit. Hein. C'est canon, canon, canon. Ouais. Bon, il a un petit peu augmenté chez Action, à 2 euros et quelques maintenant. Mais il est bien. Hein. Sincèrement, ça, je ne peux pas m'en passer. Ensuite, les filles, c'est un produit là dont je voulais vous parler, qui se trouve en grande surface. Mais celui-là, je l'avais trouvé chez Action. On pouvait trouver du K2R à un moment donné. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher. Alors là, on est sur le détachant avant lavage. Hein. Un format de 750 ml, efficace sur les taches colorées, taches protéinées, taches grasses. Voilà. Celui-là, hein, enfin, qu'on trouve, hein, en général en grande surface. Mais là, les filles, je ne sais pas si vous avez déjà senti, hein, ce spray-là, détachant. Mais là, c'est là, c'est pareil. Hein. C'est une odeur d'assouplissant. Je m'en sers pas seulement pour détacher mon linge. Hein. J'achète ça en fait tous les mois, hein.
Enfin, quand j'en trouve, hein, après, c'est pas tout le temps que je rachète, parce que vous voyez, hein, enfin, ça me dure super longtemps. C'est un format de 750 ml. Avec ça, je tiens au moins 3 mois, hein, facilement. J'en mets avant de faire ma lessive, les filles. Hein? Quand je mets tout un petit produit là, avant de démarrer ma machine, ça. Et puis j'en pchite également comme ça, hein, sur mes vêtements, comme un spray classique pour parfumer mon linge. Voilà les filles, K2R. C'est une tuerie. Tuerie. Alors ça, les filles, ça c'est mes petits trucs, hein, pour parfumer mon linge un peu plus longtemps et que ça sente bon, hein, que ça soit agréable, hein. Voilà pour, voyez, ça là. Désolée, il y a mon miroir qui, à chaque fois, est en train de se casser la figure. Ensuite, un autre coup de cœur là, chez Action. Enfin, j'en ai deux là. Enfin, il y en a plein, il y a plein de produits que je vais vous présenter là, qui viennent de chez Action, bien évidemment. Alors là, on est sur ce. Sur ce spray nettoyant, hein, spécial pour salle de bain, pour les sanitaires, salle de bain, toilette, que sais-je. Enfin, moi, j'utilise ça partout, les filles, même pour les sols. Hein. Ça. Alors là, on est sur le Fabulosa, hein, cette marque, hein, qu'on trouve chez Action, qui a cartonné. Hein. Vu, hein, l'efficacité redoutable, incontestée, hein, sur la saleté, enfin, comment ça nettoie super bien. Je l'ai testé dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Je fais même les sols avec ça, les filles. Ça sent la menthe. Fraîcheur mentholée. Hein, on est sur le Mint Swirl. Hein. Voilà comment il s'appelle. C'est le bleu. Hein. Là, il est vraiment indiqué pour les taches de saleté, de graisse. Vous voyez, hein, les saletés tenaces. Hein. Donc voilà. Ça, c'est top, les filles. Ça sent super bon. Ça laisse une odeur fraîche. Ça sent la menthe vraiment, vous voyez, comme les plantes là, comme les feuilles de menthe, hein, fraîches. Je vous recommande, hein, sincèrement ce produit, enfin si on le trouve encore chez Action, mais je pense que ça peut revenir. Mais bon, en ce moment chez Action, il y a pas mal de retard, hein, au niveau du dispatch des produits. Hein. Ensuite, là, c'est un autre coup de cœur. Je ne pensais pas, parce que pour moi, ça, c'était un produit banal. Enfin, j'en entendais tout le temps parler. Pareil, c'est une amie à l'école, hein, qui passe son temps à parler de ses produits et elle me parle de tout de cette marque-là. Ah, j'ai le rose, j'ai le bleu, j'ai tout testé. Elle a tout chez elle, hein, de cette marque Kitchen Cleaner, hein, à cette gamme-là qu'on trouve chez Action. Alors là, on est sur un nettoyant, hein, classique, hein, pour la cuisine, en fait, hein. Mais moi, je m'en sers également pour ma salle de bain, enfin, même pour les sols, hein, les filles. Hein. Alors là, on est sur la senteur citron vert et menthe poivrée. Hein. Voilà ce que ça sent. Et sincèrement, c'est une tuerie aussi. Enfin, ça nettoie bien. Je l'adore ce produit. Sincèrement, là, pour des produits qui coûtent pas si cher que ça, là, on est sur vraiment des produits qui sont vraiment efficaces, hein, sur la saleté, enfin, qui laissent une odeur agréable, parfumée, comme ça dans votre maison. Et ça, c'est top. Hein. Très petit prix. Là, on est sur un produit quand même avec une compo qui a l'air clean, hein, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle formulés à base de plantes. Hein. Donc, ça, c'est top. Non, là, la senteur, je pense que c'est du poivre noir. Pardon, j'ai dit menthe poivrée. Désolée. Donc, voilà, je recommande, hein, ce nettoyant là chez Action, si on le trouve encore. Après, il y a tous les autres. Il y a le bleu, le rose, enfin, que sais-je, mais j'aimerais bien tester les autres. Mais là, je pense que celui-là, je vais le racheter, les filles. Ça, c'est quasiment sûr. Ensuite, toujours chez Action. Voilà, il y a tout qui se casse la figure. Alors, j'ai pas mal de choses là de chez Action, bien évidemment. Alors, j'ai testé ces gouttes-là, hein, pour apporter un teint hâlé comme ça au visage. Je les avais trouvés chez Action, c'était le dernier qui restait. Hein, je l'ai eu de justesse.
Voilà, c'est un format pipette comme ça, flacon comme ça, vous voyez. Hein, j'utilise là sous mon make-up et sincèrement, il est bien, les filles. Hein. Enfin, c'est top. Hein. Avant de mettre le fond de teint, enfin, comme base, hein, primer, ça donne un coup de jeune comme ça à la peau, un coup de frais, hein, un effet bonne mine immédiat à la peau. Sous le make-up, c'est pas mal. Hein. Voilà, une texture agréable, un peu huileuse comme ça, mais ça va. Il est bien, j'aime beaucoup. Hein. C'est un bon produit. Ah oui, tout de suite, hein, on a la peau comme ça qui prend un petit teint à lait et c'est pas mal. Il a eu des bons retours ce produit hein, chez Action. Donc, je peux quand même vous le recommander. Hein, si vous le trouvez, la marque The Beauty Department, hein, le Self-Tan Facial Drops. Enfin, ces gouttes-là. Hein, hein, qui vont vous apporter un teint vraiment. Un teint d'été hein, complètement. Ensuite. Là, c'est un gel douche là que j'adore, c'est celui du Petit Marseillais, les petites créations, voilà comment ça s'appelle, qui est à l'orange sanguine bio et au romarin bio, hein, ce gel douche aromatique, hein, qui est top. Hein. Enfin voilà, là, j'ai recommencé à réutiliser mes gels douches parce que j'en ai plein hein, à terminer. Donc voilà, là en ce moment, voilà ce que j'utilise hein, le matin, les filles. Ça c'est un coup de frais comme ça. Hein. Le matin, c'est un coup de peps ça, pour la peau, hein, ça tonifie et ces odeurs-là le matin, moi ça me réveille. Hein. Ah ouais, c'est canon. Hein. Ouais, ça sent super bon l'orange, on sent l'odeur de la pamplemousse, du romarin. Ah, ça sent la Provence. Hein. Voilà pour ce petit gel douche, hein, le petit Marseillais qui se trouve en grande surface. Mais celui-là, je l'avais acheté chez Action. Ensuite, alors là, les filles. J'ai testé cette brosse hein, pour le brossage à sec. Hein. Voilà ce que je fais hein, pour enlever les peaux mortes, vous voyez, pour adoucir la peau. Hein, comme je mue en ce moment. En hiver, c'est toujours comme ça, les filles. Donc voilà, je voulais vous parler de cette brosse hein, que j'avais également trouvée dans le rayon hygiène beauté hein, chez Action. Pas très cher, hein, dans les 2 euros et quelques, 2 euros hein, 12, il me semble. Une brosse en bambou comme ça, en bois naturel. Hein. Regardez la qualité. Je la laisse accrocher comme ça dans ma salle de bain. Bon, ça fait une petite touche de déco sympa. Elle est belle, hein. Regardez. Mais au-delà de ça, elle est très très bien. Enfin, c'est une brosse avec, vous voyez, très douce, avec des poils qui sont pas rugueux, qui font pas mal, hein, vous voyez, qui vont pas vous agresser la peau. Et voilà ce que je fais, hein. Sous la douche et ça c'est bien pour vous voyez pour se gratter le dos également voilà pour cette brosse hein, que j'utilise hein, pour comme brosse de massage hein, sous la douche et puis il y a également ce gant là que j'avais trouvé ce gant spécial pour les gommages hein. Et ouais je voulais vous en parler là parce que c'était le dernier également que j'ai trouvé chez Action et je l'aime beaucoup il est bien hein. Voilà, j'ai utilisé et sincèrement, il est bien adapté hein, pour les gommages. C'est doux, ça, enfin, vous voyez, ça laisse la peau douce, ça enlève les peaux mortes. Hein, c'est top, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà ce que j'utilise hein, pour un petit moment cocooning sous la douche. Ça fait du bien, les filles. Ensuite, il y a ah oui, voilà, deux produits de chez Action, toujours hein, cette gamme-là. Alors là, on est sur la marque OptiSmile Natural, hein. Là on est sur le dentifrice, hein. Voilà, j'ai gardé le packaging, parce que bon, hein. Ah, c'est un coup de cœur hein, en termes de dentifrice chez Action, hein. Vegan, hein. Là on est sur un dentifrice qui a un goût de curcuma, les filles, enfin ça change hein, des dentifrices classiques, mais c'est pas désagréable, enfin moi personnellement je l'aime bien, j'ai recommencé à l'utiliser, et forcément là ouais, j'arrive plus à m'en passer, les filles. Donc ça, hein, si vous ne le connaissez pas chez Action, testez, vous m'en direz des nouvelles. C'est anti-plaque, c'est vegan. Enfin voilà, c'est vraiment un dentifrice naturel hein, qui est au curcuma et qui a un goût comme ça mentholé. Hein, mais également, on sent également le curcuma, mais c'est pas mal. Hein, je l'aime bien. Hein, ça change un petit peu des dentifrices classiques. Puis il y a la poudre, hein, voilà. Que je voulais vous recommander également, voilà, qui est top également,
voilà, qui commence sous forme de poudre, hein, quasiment, et qu'on met comme ça sur sa brosse à dents, et hop, avec un petit peu d'eau, voilà, c'est une poudre blanchissante à la base, hein, celle-là, voyez, mais c'est là, on est sur la même gamme, hein. Je pense qu'on peut trouver ça encore chez Action, je recommande, hein, ces deux dentifrices là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, là, on est sur une petite crème comme ça, de la Mustela, qui se trouve en pharmacie, hein, pour les petits, hein, pour les petits loulous. Alors là, c'est une crème pour Tom que j'utilise depuis qu'il est petit, hein, depuis qu'il est bébé. Alors là, on est sur une crème réparatrice assainissante, hein, même pour les adultes, c'est bien, même pour moi, les filles, hein. Voilà ce que j'utilise. C'est pas la Cicalfate, la Daven, hein. Voilà. Alors là, on est sur la marque Stella Tria, hein, pour les peaux irritées. Enfin, dès que Tom avait des petits bobos, des petites irritations de peau comme ça, des petits boutons. Voilà, hein, ce que je peux vous recommander, hein, cette marque Stella Tria, Nutella, hein, pour les petits, même pour adultes. Hein. C'est top, hein, ça guérit les petits bobos, ça évite, vous voyez, quand ils ont des petits boutons comme ça qui se grattent, que ça les démange. Ça stoppe les démangeaisons et ça, c'est top, hein. Pour les petits, mais je pense que les mamounes, hein, connaissent cette marque, hein, en parapharmacie. Ensuite, alors là, attendez, je range ça. S'il y a une routine là de soins quasiment complète, hein, que j'ai trouvé chez Action, qui est pas mal, hein. Enfin, ça, j'avais eu l'occasion de le tester quand j'étais à La Réunion, hein. Ouais, quand je suis rentrée et qu'il faisait ouais, à peu près 38 degrés. Donc, ouais, ce sérum m'a fait beaucoup de bien, les filles. Ça a fait beaucoup de bien à ma peau. Ça a même sauvé ma peau, hein, quand je rentrais de la plage, notamment. Alors là, on est sur cette gamme de produits. Là, vous avez le soin complet, hein, qui est vegan. Ce sont des produits clean. Enfin, là, on est sur une crème de jour et de nuit à l'aloe vera, les filles. Vous avez également le sérum en complément. Donc, ça, c'est top, hein. Enfin, ça peut constituer une petite routine, hein. Voilà. Idéal, hein, en ce moment. Et sincèrement, là, si un produit que j'utilise là pour cet hiver, pour ce mois de février là que j'ai découvert, redécouvert, on va dire, voilà, c'est cette marque là, enfin, c'est cette crème de jour et de nuit et le sérum qui va avec, hein, à très très petit prix. Alors là, si vous voulez vous constituer une petite routine, pas très chère mais efficace, ces produits là à base d'aloe vera. Ça, c'est clean, c'est top. Enfin, ça reste des produits qui sont à base de produits de plantes naturelles. Vous voyez, ça, c'est quand même bien. Donc, avec ça, ça craint pas. Hein. Normalement, même pour les peaux sensibles. Mais faites quand même un petit test avant toute chose sur les mains, avant de mettre ces produits, hein, à même le visage. Ensuite, là, si un coup de cœur également, c'est pour ce roll-on de massage. Comme ça, enfin, vous voyez, cet appareil-là. Hein, on peut se servir pour tous les filles, hein, pour le visage, pour le corps. Ça, c'est top, hein. Je vous en avais parlé. Ça, c'est mon coup de cœur, hein, chez Action. Je ne sais plus s'il y est encore. Enfin, peut-être, hein, mais il est bien. Alors que, bon, des appareils comme ça, normalement, ça coûte très, très, très cher, hein, hein. Je pense qu'on peut le trouver également sur AliExpress. J'en ai vu, là, pas très cher, hein. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien, hein, si je le retrouve, hein, en barre d'infos. Hein. Voilà pour ce roll-on de massage qui est top. Hein. Enfin, ça, c'est bien. Ça permet de vraiment drainer les zones lymphatiques du visage. Hein, vous voyez? De bien faire circuler, vous voyez, la circulation au niveau du visage. Hein. Donc, ça, c'est top. Hein. Vous voyez, avec comme ça des mouvements, faisant des mouvements circulaires, ça c'est canon, les filles. Hein. Enfin, là, on est sur un produit ouais, un peu ovni comme ça, qui coûte pas cher et qui est quand même sympa, quoi. Hein. Ça, vous voyez, c'est maintenant, bah, j'ai pris une habitude, hein, maintenant je peux plus m'en passer. Voilà ce qui fait partie de mes routines, les filles. Hein. Voilà ce roll-on roller de massage. Hein. Ensuite, là, on va passer à tout ce qui est soins du visage ou pour le corps éventuellement. Alors là, j'ai un autre gel douche là que je réutilise. Je l'ai repris là en pharmacie parce que ça coûtait pas cher. Il y avait des promos.
C'est cette marque-là, Leno, que j'aime beaucoup, hein, en parapharmacie. Alors là, on est sur un gel douche hydratant qui est à la pulpe de fruits rouges. Hein. Ouais. C'est pas mal, hein. Ça ressemble à du Caudalie, les filles. Voilà, sincèrement, là, on est sur une marque qui, ouais, hein, qui fait penser, plus ou moins, ce gel douche qui est bien. Hein. Qui est à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, avec une compo relativement clean, hein. pH neutre pour la peau, tatata, sans sulfate, enfin ça c'est top, hein. Voilà, très hydratante, avec de la pulpe de fruits organiques, hein. Voilà ce qu'ils disent, hein. Sur ce gel douche, je vous le recommande, un petit format de voyage, enfin vous voyez, il n'est pas très grand hein, ce gel douche, hein, mais il est bien, il est concentré. C'est un format de 100 ml, les filles. Leno, hein, ce petit gel douche en parapharmacie qui est pas mal. Hein. Ensuite, il y a un nettoyant visage là, enfin j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq même, enfin, je pense. Enfin, là, je vous avais parlé de ce produit SVR, cette gelée moussante hein, de la gamme Physio Pure. Ce nettoyant, soin nettoyant, pureté, douceur, qui est au magnésium oxygénant, qui est top, hein, enfin, qui est idéal pour les peaux sensibles. Hein. Ça, c'est mon nettoyant du moment. Voilà, je reviens à cette gamme. Voilà, SVR, hein, qu'on ne présente plus, qui ont des pépites hein, en pharmacie, qui coûtent pas très cher, qui sont des produits de vraiment de très très bonne qualité, hein, que je peux vous recommander. Hein. Ensuite, s'il y a un produit là, que j'aime bien utiliser, c'est celui-là, c'est ce nettoyant visage qui a l'eau de coco de la marque Clean Beauty par Alvira Skincare. Hein. Voilà, ils ont repackagé. Je ne sais pas si on peut le trouver celui-là, mais il y a des moments où on le voit, après on ne le voit plus, après il réapparaît. Enfin, c'est un produit comme ça qui est, hein, qui n'est pas tout le temps présent chez Action. Mais bon, je pense qu'on peut le retrouver celui-là. Je peux vous le recommander, mais faites toujours des tests hein, si vous faites des réactions allergiques à cette marque, hein, pas par précaution. Hein. Mais c'est bien, hein, c'est un petit nettoyant comme ça sous forme de mousse. Hein. C'est pas mal, hein, c'est doux, c'est pas agressif pour la peau. Ça, c'est ce que j'utilise le matin hein, ou même le soir hein, comme démaquillant. Enfin, pour en double nettoyage, c'est bien. Après mon démaquillant à l'huile, voilà ce que j'utilise, les filles. Hein. Et c'est top, ça laisse la peau douce, ça n'irrite pas la peau. Alors, moi, perso, ça ne m'agresse pas et ça ne me flingue pas le visage, donc ça va. Enfin, maintenant, je n'ai jamais eu de problème avec cette marque chez Action. Enfin, si je la revois, celle-là, c'est sûr. Hein, vu que c'est un favori, je vais la reprendre. Ensuite, on est sur. Toujours en termes de nettoyant visage. Alors là, j'en ai trois autres. Alors là, dans la catégorie luxe, hein, c'est le seul produit luxe. Non, il y en a deux. Alors là, on est sur la crème riche nettoyante, moussante à l'eau, confort, anti-pollution. La mousse confort de Chanel, les filles. Voilà. Alors là, ça, c'est mon petit produit chouchou. C'est mon bébé. Ce produit, je l'adore, bien évidemment. Je voulais vous en reparler parce que ça, c'est mon produit en termes de. Un produit de marque, hein, on va dire, un produit hein, qui coûte un peu cher, c'est celui-là que j'aime bien comme nettoyant, les filles Chanel, hein, bien évidemment. Ça, c'est top, hein, ça vous fait une police. Enfin, ce produit, enfin, ce nettoyant, ouais, il est quand même incroyable, hein, parce que ça vous fait une peau vraiment. Ouais, comme si une peau comme si vous aviez une peau voilà, vous retrouvez votre peau, là. Hein, d'adolescent, de votre jeunesse, là. Et sincèrement, il est top. Hein. Enfin, ça laisse la peau ultra douce, superbement, impeccablement nettoyée, super lisse. Ça vous fait une peau de dingue, les filles. Hein. Enfin, après, c'est pas parce que c'est Chanel hein, que je dis ça. Non. Hein. Mais c'est parce que sincèrement, il est de qualité, il est performant ce produit. Hein. Enfin, moi, je l'ai testé, hein, donc c'est pour ça que, hein, même si j'en aurais plus, ben, même si ça coûte un bras, je le rachèterai, les filles. Bon, même si c'est pas donné, ça reste un produit qui est quand même de qualité. Ensuite, encore une autre marque qui, bon, hein, catégorie, ouais, c'est du luxe là aussi. Hein. Enfin, Biotherm, c'est des produits haut de gamme. Hein.
hein, qu'on trouve également chez Sephora, hein, enfin je pense, hein, je sais plus, enfin, dans les parfumeries en général. Alors là, on est sur l'huile automoussante, démaquillante et purifiante, hein, la Total Renew Oil, hein, de la bio, la gamme Biosource, hein, Biotherm, cette huile, hein. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui, je sais pas, qui critiquent ce produit, alors que bon, après, hein, on n'est pas toutes pareilles, hein. Après, comme je vous l'ai dit, faites votre routine selon ce dont vous avez vraiment besoin, enfin ce que votre peau tolère réellement comme produit. C'est pas la peine de copier la routine de tel ou tel ou tel influenceur. Non, ne faites pas ça, les filles. Surtout pas. Ça, c'est le truc à ne pas faire. Faites votre routine selon les produits vraiment que votre peau réclame, enfin selon les besoins, hein, vraiment de ce que, ouais, de ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre peau, faire votre routine, hein. Donc là, ce produit pour moi en fait partie, et bien évidemment, là voilà, hein, je l'avais racheté, je l'avais découvert dans, je sais plus, c'est une amie, hein, qui me l'avait conseillé parce qu'elle l'utilisait. Donc voilà, j'ai voulu tester, et depuis, ben voilà, je la rachète, elle est tout le temps, elle est tout le temps présente dans ma salle de bain, forcément, c'est un produit que j'aime bien. Biotherm, la Total Renew Oil, hein, très bonne huile. Enfin, c'est une texture comme ça, huile, et ensuite ça va se transformer en lait au contact de la peau, en gelée comme ça, lactée. Hein, ça va bien vous démaquiller le visage. Et ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, là, c'est un autre petit produit comme ça, de grande surface. Celui-là, je l'avais pris chez Action. Ouais, à un moment donné, on trouvait du Mixa. Hein. Là, on est sur la gelée micellaire hyalurogel. Hein. Anti-tiraillement à l'acide hyaluronique réhydratante, hein, pour les peaux sensibles, visage et yeux. Enfin, ça, c'est top aussi, hein, comme démaquillant. Hein. Hein, voilà ce que j'utilise, hein, vous voyez, en ce moment, pour me démaquiller et ensuite pour compléter faire un double nettoyage, j'utilise ce style de produit là. Soit j'utilise celle-là de Chanel, la mousse confort là, ou la mousse, hein. Je pense que ça a été repackagé, hein. La mousse de Chanel, ensuite, ou bien c'est celui-là, hein, que j'utilise classiquement pour ma routine du soir, hein, en général, vous voyez, pour enlever tout ça là, hein, tout se plate là. Et là encore, j'ai pas mis la dose, les filles. Hein. Enfin, j'y vais mollo là en ce moment, hein, sur le make-up. Ensuite, de quoi on va parler là, les filles? Maintenant, on va passer aux crèmes essentiellement. Ouais, crème visage, sérum, etc. etc. Oh là là, j'adore ce chemisier, les filles. Oh, c'est une tuerie, hein. Enfin, dites-moi en commentaire là, comment vous trouvez ce chemisier. Enfin, si vous l'auriez acheté, quoi. Enfin, c'est votre style, hein. Mais là, pour l'été, ça va être top, hein, porter ça. Hein. Enfin, c'est doux, on le sent pas sur la peau. Bon, le seul, hein, la seule petite, vous voyez, hein, le seul petit bémol, hein, seul petit défaut sur cette blouse, c'est ce, vous voyez. Bon, il est quand même, vous voyez, ils ont fait une grande ouverture comme ça à l'avant. Hein. Bon, après, vous pouvez quand même le mettre. Bon, qui peut laisser entrevoir vos sous-vêtements. Mais bon, on peut quand même mettre une petite, un petit quelque chose, ou bien remettre un petit coup de. Je vais peut-être le rattraper là. Vous voyez? Le recoudre juste ici, juste pour bien le sécuriser ici, pour pas qu'on voit trop le décolleté. Hein. Voilà pour ça. Mais sinon, au-delà de ça, il est top, les filles. Enfin, regardez ça, quoi. C'est canon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez là, mais moi, je. Oh, là, c'est mon coup de cœur, les filles. Hein. Enfin, bref. Voilà. On va arrêter de parler fashion. Allez, maintenant, on va passer à tout ce qui est ben, soin pour le corps, visage. Enfin, visage. Alors là, s'il y a une essence là que j'utilise, hein, toujours pour mes routines skincare, alors celle de Sanoflore, les filles, hein, la gamme Aqua Hypnotica, c'était une essence botanique défatigante, hein, qui est faite normalement pour les yeux, les cils, enfin, vous voyez, toc. Mais moi, je m'en sers également sur le visage. Voilà ce que j'utilise, hein, comme essence, hein, en ce moment, hein, dans ma routine du
du soir comme du matin. Après, hein, c'est un produit qui est pas mal, hein, qui va repulper la peau. Enfin, Sanoflore, hein, qu'on ne présente plus, hein, qui est une très très belle marque, hein, de parapharmacie et que je peux vous recommander. Hein. C'est pas donné, mais bon, c'est quand même des produits qui sont au top du top. Donc voilà pour cet excellent produit que j'adore. Et l'odeur, c'est canon, les filles. Je pourrais pas. Ça sent les plantes. Ouais, c'est aromatique. Hein. Si vous aimez les deux odeurs comme ça, fraîche. Enfin, c'est vraiment très, très, très spa, hein, comme odeur. J'adore. Ouais, c'est ça sent les plantes. On se croirait dans un jardin de plantes aromatiques. C'est canon, hein, comme odeur. Mais très bon produit qui vous fait une peau comme ça repulpée, rebondie. Enfin, on a le teint frais, le teint. On n'a pas le teint terne avec ça, vous voyez. Donc ça, c'est top, hein, comme essence, hein, pendant votre routine skincare. Ensuite, s'il y a d'autres produits là dont je voulais vous parler, alors là on est sur ce sérum, le Glow Super Elixir, hein, que j'utilise comme primer. Elisa Jones, hein, ce petit produit qu'on trouve chez Action, pas très cher, que j'utilise en primer avant le make-up. Mais là en ce moment, je l'utilise plus comme sérum du soir. Hein. Enfin, ça c'est bien. Enfin, je vous recommande plutôt ces textures huileuses là le soir. Parce qu'en journée, voilà, on n'a pas envie d'avoir la peau qui brille, qui hein, huileuse. Donc ça, c'est top. Hein. Ça régénère la peau la nuit. On a la peau ouais, qui a bonne mine hein, le lendemain, dès que vous vous réveillez. Ça, c'est top. Hein. Ça régénère bien la peau hein, la nuit. Donc ça, c'est bien en complément avec une crème du soir. C'est top, les filles. Hein. Ce petit sérum là. Pas très cher, hein. Je l'aime beaucoup. Voilà cette boîte là qu'on trouve en ce moment chez Action. Ensuite, il y a une crème également qu'on ne voit plus. Cette gamme là, la banane, une crème à la banane, les filles, une tuerie également. Alors là, c'était une crème toujours de la gamme Clean Beauty par Alvira Skincare. Le Feed Your Skin, nourrit ta peau avec cette crème à la banane. Ça me rappelle les soins, la Doula Henriksen, regardez la texture. On dirait une crème sorbet, les filles. On a envie de. Ah oui, c'est. Waouh, c'est gourmand hein, comme odeur. Ça sent vraiment. Ça sent le gâteau, le sorbet à la banane. Ouais, ça me rappelle les sorbets là, à la banane de mon enfance. Ouais, c'est canon. Hein. Mais voilà ce que j'utilise hein, comme petite crème du jour en ce moment. Je l'ai ressortie là. Je l'adore. J'en mets également, enfin la banane est réputée aussi pour hein, réhydrater le soin, comme soin, hein, contour des yeux. Hein. Voilà, super petite crème que je ne revois plus malheureusement chez Action. Mais on croise les doigts. Hein. Peut-être qu'elle va revenir. Ensuite, là, s'il y a une huile essentielle qui m'a sauvée. Hein. Et oui, hein, pendant mes nuits blanches, là, quand j'avais mal aux dents. Et là, ça va, tout va bien. C'est cette huile de giroflier Pranarome. Hein. Enfin, là, s'il y a une marque que je peux vous recommander en parapharmacie pour tout ce qui est huile essentielle, produits assainissants, purifiants hein, pour la maison. Ils font de tout. Hein. Pranarome, ça coûte un petit peu cher, mais bon, c'est des produits quand même qui sont de qualité. Je vous recommande d'acheter vos huiles essentielles toujours en parapharmacie. Parapharmacie, les filles. N'achetez pas les huiles essentielles qu'on trouve là chez Action ou dans les petits bouis-bouis, les petits bazars, les petits machins. Ça, je ne recommande pas parce qu'on ne sait pas hein, la qualité de ces produits, ce qu'il y a dedans. Donc, faut quand même se méfier. Prenez toujours des huiles essentielles authentiques hein, qui sont certifiées, de qualité, hein, qui sont quand même voilà, sans danger pour. Hein, pour la santé, donc voilà pour ces huiles essentielles qu'on trouve hein, en parapharmacie, celle du giroflier hein, qu'il faut avoir dans ses placards. Ça sauve. Hein. Hein. Si, comme moi, là vous avez fait genre une rage de dents, je vous le souhaite pas. Voilà pour cette petite huile essentielle qu'il faut avoir dans ses placards et qui sauve la vie, les filles. Ensuite, là on est sur un lait crème concentré, soin hydratant visage, nutritif, adoucissant, Ambriolis, hein, cette très grande marque. Hein. Très réputé hein. Hein, pour tous les make-up artistes hein, qui s'en servent lors des défilés. Hein.
Voilà ce produit hein, qu'on utilise pour avant de maquiller les, vous voyez, les top modèles. Ah bah, toute cette bande organisée hein, de top modèles. Ah, les Gigi, les Kendall, les compagnies. Voilà ce qu'on utilise hein, principalement hein, dans les défilés. Cette crème hein, Ambriolis, hein, ce lait crème concentré qui est d'une texture vraiment très très hydratante. Ouais, je l'adore, hein, j'aime beaucoup. Oh, super crème. Hein. Voilà, elle a une odeur neutre, hein, ça va, mais c'est réputé hein, comme primer qu'ils utilisent pour bien faire tenir le make-up. Enfin, comme soin, hein, reconnu comme soin hein, pour les make-up artistes. Hein. Ça, c'est top. Hein. Ambriolis, hein, en parapharmacie. Après, vous pouvez l'acheter aussi sur les sites en ligne, hein, que sais-je. Ensuite, s'il y a une. Ouais. Alors là, les filles, là, je ne vous le montre pas, mais je portais ça là avant de faire la vidéo parce que c'est le retour de la fameuse tendinite. Donc voilà ce que j'ai là. J'avais trouvé ça chez Action. Je pense que ça se trouve encore. C'est une. Vous voyez? C'est comme un strapping hein, voilà, que j'utilise pour maintenir voilà, mon poignet. Voilà, là, on est sur. Voilà. Hein. Ben ouais. Ah. Donc voilà, là, je vais peut-être le remettre là parce que vous voyez, à force de porter, là, le simple fait de soulever hein, une bouteille comme ça, j'ai mal. Hein, c'est vous dire que, bon, avec ça, je peux plus rien faire, les filles. Hein, j'ai le poignet qui est bousillé, malheureusement, à force d'avoir porté trop de choses trop lourdes, vous voyez. Enfin, voilà. La tendinite qui revient tout le temps. Donc là, voilà ce que je porte hein, pour soulager mes douleurs, pour maintenir mon poignet. Ça ne serre pas, vous voyez, ça reste flex. On est quand même libre de ses mouvements. Ça ne dérange pas, on peut l'enlever facilement, mais ça peut maintenir, stabiliser votre poignet. Et voilà, le garder vraiment, vous voyez, hein, pour un bon maintien, le garder quand même hein, bien. Bien stable hein, pendant que vous faites vos voilà ce que vous avez à faire quoi hein, voilà pour ça j'arrive plus à parler. Ensuite il y a des petits patchs là que j'ai testé chez Action Alvira Skincare, ces patchs au charbon hein, pour les pores hein. Voilà ce que j'avais eu là dans la petite boîte, je l'ai plus malheureusement, je sais pas où elle est, mais voilà pour ces petits patchs hein, qui décollent bien les pores, qui enlèvent bien les pores hein. C'est des patchs qu'on met comme ça sur le nez. Et ça, c'est top, les filles. Voilà. C'est des petits produits qui sont sympas chez Action, qui sont quand même bien pour le prix et efficaces. Je peux également vous recommander. Ensuite, deux produits, la Clarins, ce baume corps super hydratant au beurre de karité, spécial peau sèche. Hein. Clarins lait hein, pour le corps que j'utilise en ce moment. Voilà. Ça, c'est également une marque que j'adore. Après, c'est pas parce que c'est Clarins que je dis ça, mais sincèrement, si. C'est un baume là qui ouais, que j'aime bien réutiliser là, surtout en hiver. Hein. Enfin, après, qu'importe la saison, les filles, mais ça c'est top. Hein. C'est des super crèmes, vous voyez, avec des super odeurs. Hein. Hein. Sephora, bien évidemment, que je peux vous recommander. J'ai également le concentré décolleté, cou fermeté, multi-intensif. Hein. Ça c'est pour la poitrine, vous voyez. Enfin, c'est pour se galber la poitrine, hein, faire des massages. Voilà pour cet autre produit voilà, de la même marque hein, que j'aime bien réutiliser en ce moment. Clarins, bien évidemment, hein, qui reste une marque que j'aime beaucoup. Hein. Ensuite, pour les pieds, là, je voulais vous parler de ce produit. Pedix Fit, il y a mon téléphone qui sonne, les filles, mais je pourrais pas répondre, désolée. Donc là, Pedix Fit de la marque Alessandro, on est sur un produit ouais, qui nourrit les pieds intensément. Donc je pourrais que vous le recommander, les filles. Hein. Ça, c'est bien pour réhydrater les pieds, pour soulager même les pieds en fin de journée. Ça, c'est top. Hein. Je le mets au frigo, il est pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, ben on va terminer par ce sérum là, qui est canonissime. Hein. Là, j'arrive plus à le retrouver, mais celui-là, la boîte rose. Hein, j'y retourne à chaque fois.
chez Action, mais je ne le vois pas malheureusement. Mais là, c'est un produit que je cherche désespérément, hein. Le super booster, hein, celui-là qui est à l'acide mandélique et à l'acide hyaluronique, hein. Super texture. Canon, hein. Voilà, hein, on dirait les petits produits The Ordinary. Donc là, je vais vous montrer la texture de ce sérum. Voilà comment il est, hein. Une texture épaisse, aqueuse, hein. Mais l'odeur. Les filles, on dirait un produit de luxe. De luxe. Là, c'est bluffant, hein, et ça vous laisse la peau lisse instantanément. Acide hyaluronique, les filles. Enfin, je vous en avais parlé de celui-là, du sérum Elisa Jones. Hein. Enfin, la boîte rose. Hein. Si vous le voyez, les filles, dites-moi hein, où je peux le trouver, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est un super produit. Waouh, l'odeur. Waouh. Là, on est sur un produit vraiment qui est quand même hein, impressionnant hein, pour le prix que c'est. Voilà les filles qui terminent cette longue vidéo, enfin toute cette sélection là de produits que j'ai bien aimé utiliser pour ce mois de février. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à liker hein, et à me donner vos avis hein, sur tout ce que je vous ai présenté. Hein, s'il y a des choses qui vous ont plu. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine ou que sais-je, une bonne journée. J'ai plus les mots. Et on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Bye bye!